Autre question, autre thématique. Vous avez auditionné hier la ministre de la Culture. Il a été question de France Télévisions, et notamment peut-être des questions économiques autour de France Télévisions. Il y a eu une baisse très importante des dotations à cette chaîne. Où en est-on aujourd'hui? Une baisse très importante, ça représente moins d'1% quand même du budget de 2,9%. C'est ce que dit la présidente de France Télévisions. Oui, non, c'est ce que dit, c'est pour ça que vous n'êtes pas obligé de le rapporter. Je dis simplement que la ministre a confirmé cet objectif de baisse, elle a confirmé le non-report de la loi que j'avais fait voter l'an passé à l'unanimité, supprimant la publicité dans les émissions pour enfants de France Télévisions, et elle demande instamment à France Télévisions d'engager des mesures d'économie sans que cela affecte la création, puisqu'il y a un jeu un petit peu, un rapport un peu de force joué étonnamment par la présidente d'une antenne publique contre et publiquement contre le budget qui lui a proposé par le gouvernement. Il se trouve que nous faisons des économies partout. Il n'y a pas de raison qu'un secteur particulier ne soit pas affecté, d'autant que France Télévisions a vu au cours de ces 15 dernières années ses crédits s'envoler, alors que dans les autres secteurs de l'audiovisuel public en Europe, ils étaient en stagnation, en régression. Donc un petit effort, une réorganisation interne avec plus d'efficience ne devrait pas changer la qualité des émissions. Ça serait plutôt une capacité meilleure pour investir à terme dans les domaines de la création. On a bien entendu, vous réclamez un petit effort de la part de la présidente de France Télévisions.